Salut les gens, bienvenue sur cette chaîne dédiée à Soccer Star. Et aujourd'hui, le match qui se propose à vous, les matchs, puisqu'il y en a deux exactement, c'est des matchs contre Anthony et Ryan. Là, on voit que j'ai des matchs comme ça, parce que juste avant, je m'entraîne en général. Et puis voilà, donc c'est juste des matchs comme ça. Avant de commencer, puisque je vous attends hein, quand je fais des matchs contre les abonnés. Et donc là, arrive Anthony. Tu crois que je pourrais te couper le... Il est pourri quand même. Non, c'est pas possible. Salut les gens, bien de Sénat. Anthony, il a une défense de malade, ça on peut le voir, hein, défense de malade, 4 pions devant les buts, un pion un peu plus en avant. Alors moi, bah, j'aime bien faire ça, je le fais aussi quand on m'envoie la balle entre mes deux pions de devant, vous voyez. J'aime bien faire ça aussi. Là, je voulais aussi envoyer la balle dans l'angle pour qu'elle glisse, mais bon. Il peut marquer, mais c'est hasardeux. Voilà, et en général, les mecs ne tentent pas. Ça arrive, hein. C'est arrivé, je crois, une ou deux fois qu'un mec est tenté. Alors, on va quand même commenter ce match, pardon. Pourquoi je t'appelle bien? Putain, t'es un ouf, toi. Allez, calme-toi. Ce match et ce but est juste magnifique. Magnifique. Voilà, bravo José. Le but est allé droit dedans. Bon, il a touché le poteau, c'est un peu naze. Bon, non, mais de toute façon, tu pouvais pas faire mieux, c'est déjà bien. C'est super. Donc, ce type de renvoi, je le fais beaucoup plus fort quand j'ai des pions plus costauds, mais surtout quand il n'y a pas une défense comme celle d'Anthony, puisque là, la défense qu'il a, elle est juste impénétrable, si je puis dire. Enfin, pour le moment. Non, elle n'est pas impénétrable d'ailleurs. Si vous regardez bien, en fait, on peut la pénétrer par le dessous. Il y en a beaucoup qui le font. Si vous regardez un petit peu les best-of et les vidéos de mecs beaucoup plus balèzes que moi, tu vois, pas des rigolos, des vrais, tu vois, des vrais joueurs. Et ben là, on peut voir que, ouais, il y en a qui joue pas mal. Donc là, on est toujours à 1-0. Là, Anthony a tenté de la faire entrer. C'était effectivement une très bonne tentative, malheureusement qui a échoué. Anthony, je dirais, c'est un joueur entre les deux, ni trop dans le défensif. C'est pas un gars qui défend tout le temps. C'est pas un gars qui attaque tout le temps. Donc là, je l'empêche un petit peu de venir me marquer. Hein, normal, hein, je protège mes buts. Là, je me dis, voilà, je dégage un peu sa défense. Pour le moment, je suis pas trop en danger. Lui, de son côté, bah, réorganise un petit peu sa défense. Bon, je continue à la péter, histoire de me donner de l'espace de renvoi. Là, lui, bon, remet la pression avec son autre pion. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Là, je ne valide pas ce que je viens de faire. Et puis là, bon, voilà, lui continue sa pénétration. Bon, je me dis surtout, en gros, faut pas que je me laisse déborder. Et donc, je reste bien à côté de la balle. J'empêche les éventuels renvois vers mes cages que je ne pourrais renvoyer. Là, j'ai des pions qui sont plutôt bien disposés pour pouvoir renvoyer. C'est-à-dire que même s'il me la met à l'intérieur quasiment collé à mon pion qui est dans les cages, j'ai toujours deux pions qui peuvent me servir pour renvoyer éventuellement. Là donc lui, bah normal, voilà, il fait ça, ce qui est très bien, et donc bah moi je fais ça, ce qui est très mal, très très mal, très très nul. Je valide pas encore cette partie du jeu. Alors vous aurez vu que je ne vais pas mettre d'accéléré sur ces parties là pour reprendre les parties à l'ancienne un petit peu, où je n'accélérais pas spécialement le jeu. Je le laissais tel qu'il était, surtout quand le jeu est chiant. Là, si vous voulez, mes deux parties que j'ai fait contre les abonnés, sachant qu'en général c'est des parties à 500, des parties à 100 ou à 25, on y va quoi, on donne du spectacle. Et du coup, effectivement, j'ai moins besoin de faire ces accélérations. Voilà, reprenons ce que je disais sur le match, parce que là, il y a une très très belle action qu'on voit au ralenti, vous voyez. En fait, j'ai voulu faire rebondir sur le pion du bas pour que ça remonte ensuite et que ça aille dans ses cages. En fait, j'avais pas vraiment le choix par rapport à l'ouverture que j'avais. Et puis moi, je suis un ouf, quoi. Quand je vois une ouverture, une possibilité, j'y vais. Surtout dans les matchs là où on est plus, voilà, on est au chaud, on est au calme, tranquille. Voilà, contre les abonnés, où il n'y a pas de stress. Non, non, non. Parce que perdre contre les abonnés, je m'en fous un peu. Bah, comme je disais, surtout le montant investi, bon, c'est pas trop grave. En général, c'est des petits montants qu'on investit. Et pendant qu'on parle de match, là, il y a une tentative de je passe la balle entre deux pions, en me disant peut-être qu'elle va aller vers les buts. Je sais pas ce que je me suis dit. Et du coup, il y a un renvoi qui est direct fait par Anthony. Un renvoi qui aurait pu aller dans mes buts, mais qui n'y est pas allé. Je pense pas qu'il ait mis la puissance maximum. C'est peut-être pour ça. D'ailleurs, je ne comprendrais pas pourquoi s'il n'a pas mis la puissance maximum. Je pense que, Anthony, tu ne t'en souviens plus de ce match. C'était il y a tellement longtemps. C'était avant les vacances scolaires, donc du coup,
C'était il y a plus de 15 jours d'ailleurs, c'était peut-être il y a 3 semaines. Donc effectivement, j'ai mis du temps à le publier, je suis désolé, ça... voilà, j'avais pas le temps, hein. J'ai une famille, des enfants, enfin, j'ai déjà expliqué. Donc là, voilà, on est encore en mauvaise posture, il fait une sérieuse contre-attaque, donc comme tout à l'heure, on y va tranquille, on essaye de faire en sorte que les pions ne servent à rien, qu'il n'y ait pas d'ouverture possible. Ouais, voilà par exemple, j'aime pas trop quand elle est... c'est pas grave. Et là, donc lui, petit à petit, se rapproche de mes buts. Moi, je n'ai plus aucun pion proche du ballon. Bon, là, je n'ai pas trop peur, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison. Là, j'ai utilisé le pion du haut plutôt que le pion du bas. Je ne pousse pas son pion, parce que je préfère pas. J'aurais pu hein, utiliser la technique de « je pousse son pion ». Et d'ailleurs, est-ce que peut-être ça aurait fait que ça aurait changé la donne et l'histoire pour les futurs coups à venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, on tape sur le haut du pion. Très important, ça c'est bien. Même quand vous êtes au même niveau que le pion, si vous tapez sur le haut du pion, même si le pion est collé au ballon, il va monter. Bon, s'il est vraiment collé, il va quand même faire bouger le ballon. Mais ça permet de faire monter le ballon en même temps, enfin de faire monter le pion en même temps que votre propre pion. Très belle attaque de ma part. Puisque c'est moi qui me suis attaqué moi-même. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Je pense que j'ai voulu renvoyer en tapant fort sur le côté. Mais voilà, le problème s'est posé. Là, il tente pas directement avec son pion, mais avec le pion qui est loin. Peut-être pour le fun, histoire de dire, voilà, je me la pète. Non, c'est un droit, Anthony, je te l'accorde. Donc là, pour petit engagement, on repart après de 2-1. Et Anthony ouais, se débrouille vraiment super bien. Je sais pas si on n'a pas vu, je crois, c'est dommage, son niveau, parce qu'il est pas mal. En fait, Anthony se rapproche vraiment du niveau que j'ai dans mon vrai compte. Pas le compte que j'utilise là pour les parties là, puisque c'est un compte à part, mais mon vrai compte à moi. Je suis niveau 60. Est-ce que je suis pas allé plus loin? Non, je viens juste d'atteindre le niveau 60, je crois. Niveau 60, 54%, et en piège, j'ai 4,1 millions. Donc voilà, je suis plutôt très très moyen. Moyen nul, en fait. Je suis pas dans les joueurs, dans le classement Soccer Star. Et puis, il suffit de regarder, hein, y a des classements France, des classements machin. Je suis jamais dans les premiers, hein. Voilà, tout simplement. Mais je ne désespère pas, peut-être qu'un jour, avant que j'en ai marre de jeu et que j'en puisse plus et qu'il me saoule, mais bon, là, pour le moment, ça va, j'y joue, pas assez pour que ça me saoule. Pas assez tous les jours pour que ça me saoule. Ça va me saouler à un moment, forcément. Mais il faut, c'est l'habitude, tu vois, qui fait que un truc nous saoule. Là, non, je fais vraiment que dans les moments où je me fais chier. Disons que je m'accorde pas des moments, je fais, tiens, je vais me faire un Soccer Star, genre comme une partie de jeu vidéo que je pourrais faire. Non, c'est vraiment un jeu occasionnel. Hein. Mais reprenons le commentaire du match qui est toujours en cours contre Anthony. Qui là s'est bien placé pour pouvoir renvoyer la balle, mais me la place aussi très bien pour que je puisse la renvoyer dans ses buts. C'était très très mal joué. Donc là, il renvoie, superbe renvoi, dommage parce que du coup, voilà, elle n'était pas loin. Bon, là, comme je disais, ça se voit que c'est des matchs, voilà. Alors merci Anthony d'avoir joué avec moi, franchement c'était un grand plaisir, j'espère qu'on rejouera ensemble. En tous les cas, n'hésitez pas, hein, quelques sur les abonnés, voilà, je suis une merde comme vous, hein. Y a pas de souci. Vous pouvez jouer contre moi, que tu sois débutant, que tu sois pas débutant, que tu sois méga fort, voilà, je garde cette notion de partage et je me dis, voilà, je peux apprendre à certains à mieux jouer et d'autres peuvent m'apprendre à moi à bien jouer. Et voilà, j'aime le partage, hein. C'est mon truc, voilà, d'ailleurs c'est mon boulot, donc normal les gens. Donc merci Anthony, vraiment encore merci, on rejouera bientôt j'espère, l'idéal ce serait qu'on fasse, attendez, je présente d'abord le match qui vient, donc qui est le match de Ryan, donc un petit match à 50, donc qui sera rapide puisqu'il va être en 2 buts. Ryan, j'ai déjà joué contre lui, si vous regardez, alors ça doit être un des matchs abonnés, je sais plus lequel, comme j'ai une mémoire de merde, je ne sais plus lequel. Très, très joli but de Ryan pour commencer. Ryan qui a un très bon niveau, hein, il est level 55 et surtout qui a gagné beaucoup de sous, Ryan. Là, j'ai pas compris ce que tu avais. Je me suis dit, mais j'ai fait. Et je crois que voilà, c'est vraiment le coup où on fait un match à 50, dont on fait de la merde parce qu'on veut faire de l'exceptionnel. Donc tu vois, là, j'ai pas voulu
Tu vois, j'ai pas voulu, c'est trop facile. Donc du coup, je me suis dit, allez, je laisse faire un petit dégagement. Et effectivement, voilà, dégagement très sympa. Moi, je l'aurais pas fait avec celui-là, mais justement, ça m'a, comment dire? Tu vois, là, sans t'en rendre compte, en plus, Ryan, je crois que t'es jeune, toi, tu as 15 ans. Sur ce coup-là, c'est toi qui m'apprends des trucs, tu vois. Ce dégagement-là, jamais j'y penserais, j'aurais pensé. Tu vois, comme un petit peu les balles qui se trouvent à la limite sur la ligne de tes cages et que tu renvoies le pion qui va se cogner contre un des poteaux, qui va se cogner contre le bord du fond et ensuite qui va renvoyer la balle. Ça, c'est parce que j'ai joué contre quelqu'un qui l'a fait. Et puis, surtout qu'au début, quand je les mettais à cet endroit-là, je me disais, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Puis quand j'ai vu un mec faire, je fais, putain, l'enculé! Et puis après, j'ai dit, à toi aussi de faire pareil, hein, te laisse pas faire. Donc là, contre Ryan, avec son clown tueur. D'ailleurs, c'est sympa. Enfin, ça, je vous en parlerai après, mais je vais créer une autre chaîne. Ceux qui le seront vraiment les gens qui ont. Franchement, je les respecte parce que même moi, je le fais pas. Mais qui auront regardé la chaîne en entier. Voilà, c'est joli ce qui se passe là. C'est joli. Ouais. Donc, on revoit. Donc là, c'était la scène où j'ai voulu marquer par le haut. Donc là, lui, bah, il défend, hein, normal. Il défend. Il défend. Il défend. Et Ryan, ouais, il est plutôt fort. Bah, un peu comme, il a un peu le même style de jeu qu'Anthony. Hein, ils sont pas, ils ont un, disons que c'est pas, tu vois, par exemple, moi qui beaucoup joue à des FPS, voilà, c'est pas des campeurs, en gros. Alors, ce Castar, qu'est-ce qui serait un campeur? Je saurais pas trop dire. Peut-être les gens qui attaquent pas et qui attendent l'erreur de l'adversaire, donc ils vont tout le temps bloquer et attendre l'erreur de l'adversaire pour attaquer. Là, c'est le campeur de SoccerStar, en fait. Donc voilà, il y a un art de camper hein, dans SoccerStar. Certains le font très bien. Et puis, il y a l'art du juste pas. Bah, voilà, tu attaques quand tu peux, tu fais des tentatives. Surtout sur des matchs, comme je disais, comme ça, ces matchs-là où on est entre nous. Je dis pas après un match à 50 000, moi, ça m'arrive de faire le campeur, hein, même largement. Hein. Donc là, contre Anthony, bah, on se débrouille très bien tous les deux. Hein. Moi, je me laisse pas faire lui non plus. Je suis level 25. Putain, là, c'était trop bien joué. Franchement, voilà. Contre Anthony, par exemple, j'arrive à avoir comment dire, des actions que je n'aurais moi pas, comment dire, pas réalisées. Dans le sens où elles ne se seraient. Voilà, je n'aurais même pas. N'importe quoi. Putain, le mec, il se marque un but. Je crois que je vais refaire une partie d'ailleurs contre Ryan. Oui, donc dans ce que je disais, pardon, effectivement, la physique de SoccerStar, quand tu la découvres et quand tu la. Enfin, quand tu la découvres, quand tu la commences à vraiment l'appréhender et à comprendre, tu fais vraiment des trucs, oui, voilà, même qui n'ont jamais été réalisés, mais que tu vas tenter parce que tu sais, par exemple, là, que quand tu vises dans le coin, la balle va contre le rebord. Parfois, si tu la vises un peu plus sur le rebord, elle va se lever, donc toucher son pion et rentrer. C'est des trucs que tu apprends au fur et à mesure. Et effectivement, là, par exemple, dans le dégagement tout à l'heure de Ryan, ou même celui-là, il y a des choses que moi, je ne fais pas. Donc, je me dis, voilà, c'est un apprentissage. Donc là, bon, bah, un but standard, c'est sur une erreur, donc rien de glorieux. Là, je tente quand même. Alors, je sais pas si vous l'avez tenté celui-là. J'en ai marqué 2-3 quand même, comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle va contre le bord, mais c'est de l'hasardeux. C'est voilà, je le fais parce que je suis contre Ryan à ce moment-là, que c'est fun et que voilà, j'ai envie de faire un truc, un match sympa, quoi, un match pas prise de tête. Pas je vais dans le coin et puis je garde la balle pendant 3 heures. Putain, ça c'était bien joué aussi. Il était super bon, Ryan. En fait, putain, que ce soit Anthony ou Ryan, il faut qu'on rejoue, les mecs. Il faut qu'on rejoue. Il faut que je mette en place comment dire, le tournoi, mais entre nous. Et puis voilà, je vais le mettre en place. Je vous promets que je vais le mettre en place. Là, j'ai un peu plus de temps, donc c'est faisable, c'est jouable. Et quand je le mettrai en place, bah, je vous en parlerai. Et puis, alors par contre, ce qui serait bien, c'est que je le fasse. Joli but. Que je le fasse via Twitter, via Tudor ou Google+. Alors, je n'utilise pas Facebook parce que mon Facebook, en fait, c'est vraiment mon Facebook personnel, quoi. Et SoccerStar, voilà, c'est pour le jeu. Et donc, j'ai envie de dissocier les deux. Et maintenant, je ne vais pas créer un compte Facebook ou une page Facebook, quoique. Je pourrais créer une page Facebook, ouais. Une page Facebook éventuellement qui pourrait être dédiée au jeu parce que c'est quand même plus simple
Et puis bon, des abonnés Facebook, il y en a peut-être plus que des abonnés Google+. Bon, quoique, tout, si vous êtes sur YouTube et abonné YouTube, vous êtes abonné Google+, puisque ça vous abonne partout. Donc forcément, on est ensemble, les gars. Donc Google+, non, on va rester sur Google+, parce qu'en plus, il y a des possibilités de éventuellement faire des... comment ça s'appelle le truc, là je sais plus, putain, j'ai un trou, et puis là, c'est du lag, j'ai pas envie de mettre pause. C'est dû faire des... Ah, pas mal. On reste quand même dans le match, on reste concentré. Là, c'est pas mal pour dégager. Bon, il tente un truc de ouf, mais c'est son droit. Et ce qui fait qu'ensuite, je marque, non? Je pense que ça va être ça, et c'est la fin du match. Donc, voilà. Comme je disais, effectivement, on va peaufiner ça. Et on va faire... donc, soit un fichier, pas Excel... pas Excel, mais un fichier Word, éventuellement, où je demanderai aux gens de s'inscrire et de mettre leur leur identifiant. Ensuite, une fois qu'on aura les identifiants de chacun, là par contre, je passerai sur un document plus du type PowerPoint. Graphiquement, je vais indiquer qui va jouer contre qui va jouer contre qui. Alors par contre, comment je fais ensuite pour savoir qui a gagné, qui a perdu, comment ça s'est passé, il faudrait que l'un d'entre vous enregistre le match, vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, si dans notre cas, Ryan joue contre Anthony, il faudrait que soit Ryan, soit Anthony enregistre le match. Et ensuite, après l'avoir enregistré, qu'il me l'envoie. Et ensuite, après qu'il me l'a envoyé, C'est tout. Et puis ensuite, moi, je commente le match éventuellement en faisant des trucs rapides. Hein, et puis voilà, ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà, je remercie. Bon, il était un petit peu trop sec, cet au revoir. Donc, je vous le redis, au revoir à tous. À très bientôt. Hein, profitez de la vie. Profitez de tout, parce que vraiment c'est un plaisir de profiter de tout. Hein. Et dites-moi éventuellement dans les commentaires si ce qui vous intéresse c'est que ce soit plus en accéléré, si je devrais enlever certaines parties, etc. N'hésitez pas à critiquer, soyez méchants, soyez durs avec moi. Je m'en bats les couilles, je suis capable d'assumer tout ça. Et au contraire, ça me permet de perfectionner le truc, parce que avant tout, je le fais pour vous, même si je prends du plaisir à le faire. Voilà, ciao les gens. J'ai dit les gens ? Pardon, les gens.